Une création de spectaculaire, les allumeurs d'images. Notre-Dame Saint-Corentin, sans doute le fleuron du patrimoine quimpérois. Alors, la tradition veut que Gradelon, roi légendaire de Bretagne, ait moi, de son Gradelon, roi légendaire, ha, flugage go, balivernes et mensonges. Aussi frais que je vous parle ce soir d'entre les deux tours de cette cathédrale, moi, Gralom le Grand, par la grâce de Dieu et la volonté de mon père, Conan Meriadec, le premier roi de Bretagne, je suis à mon tour et toujours resterai roi d'Armorique et de Cornouaille. D'ici, j'ai vu et je vois où elle est la Meuse, à où elle est la Rome.
siècle en siècle. D'audace d'architecte en geste habile de constructeur, j'ai vu notre rêve devenir réalité. Anciens, notre rêve continue. Bien vivante, la cathédrale du Pont Saint-Corentin ne cesse de s'élever, de se bâtir, de se faire simplement belle.
entre mes deux tours, j'ai vu et je vous vois. Je vois Quimper se refléter dans le miroir de sa grande église, en Élisabeth. J'y vois la Bretagne tout entière. De là-haut, je me faufile et vagabonde dans l'entrelac des rues, vieilles ou neuves, Strédocos, Strénébés, et au gré des vents, je me tourne vers l'Artoite ou l'Armor. Je suis d'une cathédrale vivante comme le ciel de ce pays d'éclaircie, changeant à plaisir et qui pavoise ses tours. Là où je suis, je serai toujours l'herma vésine péprite.